Ouais, la dernière fois, tu as dit qu'il y avait, je pense, trois catégories de dons. Les Oui. dons de l'esprit, donc les 9 dons. Il y a encore une catégorie auquel je m'avais 6. Oui. Voilà, de toute façon que je ne sais pas. Tu te Bon, rappelles? les 9, je connais la plupart. Mais les Mais les 6, 6 là. tu ne connais pas. Mais il y en a 3 en gros. Donc, il y a les 9 que tu connais déjà, les 9 dons de l'esprit qui sont cités dans 1 Corinthiens 12. Ensuite, les 6 dont je parle, c'est les dons qu'on appelle de service ou de ministère. Mais il n'y a pas que ça, si tu veux. Tu vois? On va prendre la Bible. Ce Prenons. que vous dites, ce n'est pas la question qu'il doit poser. Vous dites, au Donnez. niveau des 5 ministères, tu avais dit 6. Sixième là, vous dites, c'est sa question. Non, En fait, les 6 dons. j'ai Les compris 6 la dons que oui, question. il y avait. C'est ça sa question. C'est ça sa question. J'ai compris la question. Prenons la Bible, dans Éphésiens. Éphésiens. On va parler des 6, donc, et les 5 ministères et le sixième, en fait. On va juste évoquer ça. Parce que vous savez, quand on a la connaissance, on ne peut pas être emporté à tout vent de doctrine. On ne peut pas être manipulé également, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, des fois même devant certaines situations, ils ont du mal à réagir? Vous voyez? Les chrétiens n'arrivent pas à réagir quand les hommes sont en train de les manipuler, de les tromper, de les conduire en bateau, comme on dit. Ils n'arrivent pas à réagir parce qu'ils n'ont pas la connaissance, en fait. Et ils n'ont pas les dons aussi du Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, en fait. Donc, c'est pour ça que le Seigneur tient quand même à ce que on ait les dons, qu'on comprenne les dons, qu'on ait la connaissance, qu'on connaisse la parole de Dieu. Amen. Donc, Maintenant, on va prendre Éphésiens pour la question de notre frère Prince. Éphésiens chapitre 4. On va lire du verset 7. Tu peux nous lire, Prince, s'il te plaît. Éphésiens 4, verset, à partir du verset 7. la parole du Seigneur sur Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Amen. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, les autres comme pasteurs et docteurs. pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du Du corps corps du de Christ. Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, Amen. à l'état d'homme fait, À l'état d'homme fait. à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que Verset nous ne soyons, 14. verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes, Par la tromperie des hommes. par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, Professant la vérité dans l'amour, nous croissions. nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Amen. On peut Amen. s'arrêter là. Amen. Tu vois? Donc, on va répondre à ça d'abord. Et comme ma femme a souligné, on va aussi parler du sixième don. Mais vous allez voir en même temps aussi, ça va être l'occasion pour comprendre qu'il n'y a pas que ça comme ministère dans l'Église. Ou comme je vais dire, comme service. Alléluia. Ok. Dans l'Église. Donc, si tu vois ici,
prince. On a lu, le verset 7 nous dit que à chacun, le Seigneur a donné un don. Tu vois? Donc, chaque chrétien, il ne peut pas dire, en fait, un chrétien ne pourra pas dire que je n'ai pas de don. C'est faux. Une chose est de ne pas savoir le don que tu as. Une autre est de dire que je n'ai pas de don. Vous voyez? Si je ne connais pas le don que j'ai, ou je n'ai pas la connaissance que j'ai un don que Dieu m'a donné en devenant chrétien, ça c'est autre chose. On appelle ça de l'ignorance. Mais l'ignorance ne veut pas dire qu'il y a une absence. Vous voyez? Donc, quand on est dans l'ignorance, ça donne l'image de l'absence en fait. C'est pour ça que la Bible dira par exemple que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, c'est-à-dire un ignorant, il est comme un esclave. Vous voyez? Il est traité comme un esclave. Il est ignorant. Il ne sait pas qu'il a accès à tel ou tel héritage. Il ne sait pas qu'il peut dominer, il peut régner. Il ne sait pas qu'il peut manger ce qu'il veut. Il peut, vous voyez, tant que l'héritier est comme un enfant, parce que le mot enfant là, en fait, le mot grec qui est utilisé, ça veut dire ignorant, en fait. Un enfant, c'est un ignorant. Vous voyez? Donc, tant que le chrétien est ignorant, il ne sait pas qu'il a un don. Mais chaque chrétien a un don. C'est ce que ça veut dire le verset 7. Maintenant, le verset 8 nous dit que il a, en fait, étant monté en haut, il a pris des hommes comme captifs, tu vois, et après, il va faire de ces hommes-là des dons. Donc, il a emmené avec lui des hommes et il va faire de ces hommes des dons pour le monde. Et c'est là que les ministères sont nés, ceux qu'on appelle les ministères de la parole, tu vois. Donc, un ministre de la parole, un ministère déjà, c'est un service dans l'église. Vous voyez? Mais comme on a lu, on a dit que donc c'est pour le perfectionnement des saints. Si vous regardez du verset 12 jusqu'au verset 15 que notre frère Prince nous a lu, on a cité l'utilité des ministères, en fait. Donc, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ, pour que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, pour que nous ne soyons plus des enfants, vous voyez, pour que nous ne soyons plus emportés à tout vent de doctrine, ainsi de suite. Il y a plusieurs objectifs qui sont derrière. Donc, en gros, les ministères sont là pour faire grandir le chrétien dans la connaissance et dans son intimité avec Dieu. Alléluia. À aucun moment, le ministère est là pour dominer sur le chrétien. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. Je répète encore, le ministère est là pour amener le chrétien, l'enfant de Dieu, à croître dans la connaissance, dans les dons, à réaliser en fait l'héritage qu'il a en Jésus, à réaliser combien Dieu l'aime, à réaliser le mystère de la foi, à comprendre c'est quoi l'évangile, qu'est-ce qui est dans l'évangile même. Parce que la Bible nous parle de l'évangile comme étant centré sur Jésus. Et quels sont les avantages de l'évangile? Les ministères sont là pour amener le chrétien à les connaître. Vous voyez? Le ministère est là pour amener le chrétien à connaître davantage Jésus. Amen. Vous voyez? Et pour que le chrétien ne soit plus un enfant, un ignorant. Vous voyez? Et on a cité, comme tu as lu tout à l'heure, Prince, donc, il a, au verset 11, il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Les docteurs là, on les appelle dans d'autres passages de la Bible, on les appelle des enseignants. Vous voyez? Donc, c'est un ministère en fait. Donc, c'est un service. Vous voyez? Les ministères, on appelle ça aussi service ou des économes. Vous voyez? Donc, c'est un service de ministère. Est-ce que vous me suivez ce soir? Seulement que un ministère, tu vois, on a dit, il a pris, il a amené des captifs et il a fait des dons. Donc, le ministère, c'est Dieu qui établit un ministère. Même si le ministère, il passe par des hommes, ou si je dirais que Dieu va passer par des hommes pour reconnaître le ministère de quelqu'un, mais avant tout, vous devez savoir qu'un ministère ne vient jamais d'un homme. Un ministère vient toujours de Dieu. Dieu va dire, par exemple, à Jérémie que « Avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi, consacré et établi prophète. » Vous voyez? Et Paul va répéter la même chose aux Galates.
que lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, vous voyez, de révéler en moi son fils Jésus, donc je n'ai pas consulté ni la chair ni le sang. Donc un ministère, en fait, c'est Dieu qui établit. Et un ministère, c'est la vie, quoi. C'est, un ministre, c'est sa vie. Vous voyez? Donc, ce qui fait la différence entre un prophète ou un pasteur ou un évangéliste ou un apôtre, ainsi de suite, c'est le charisme, le caractère que eux, ils, chacun d'eux a. Ils n'ont pas le même caractère. Vous voyez? Un évangéliste, par exemple, lui va amener le feu, le réveil, la joie, beaucoup de toutes ces choses. Vous voyez? Le prophète, lui, il est censé amener la crainte de Dieu. Il est censé amener les gens à craindre de Dieu, à fuir le péché. Donc, si vous voyez un prophète qui amène les gens dans le péché, il y a un problème. Ça ne veut pas dire que c'est un faux prophète. Est-ce que vous suivez ce soir? Un apôtre, il est là pour faire asseoir la doctrine. Un ministère apostolique, il est là pour faire asseoir la connaissance. Tu vois? Quand les chrétiens se posent des questions, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme par exemple le premier concile qu'il y a eu dans l'église, quand les chrétiens, les païens qui s'étaient convertis, les pharisiens chrétiens voulaient leur imposer la loi. Vous voyez? Alors ça a créé une discussion. Donc, dans quelle ville on a appelé pour la première fois les chrétiens, les disciples de Jésus chrétiens? Dites-moi. C'est dans quelle ville? Mon diable. Cool. Dans quelle ville on a appelé pour la première fois les disciples de Jésus chrétiens? Hein? Je sais pas. J'allais dire en Antioche, mais non. C'est pas. Non, il ne faut pas hésiter. Et toi si tu sais pas. Oui, c'est les païens qui ont donné le nom chrétien aux disciples de Jésus. Mais c'était dans quelle ville? C'était dans quelle ville? Comme elle a dit Antioche, mais elle n'est pas sûre. Bon, on va prendre Actes des Apôtres. On a des apôtres. Antioche. Ouais. On va prendre Actes des Apôtres. Tu as trouvé? Oui. Lis-nous. Oui, acte 11, verset 25. Donc, comme tu n'étais pas sûr, maintenant on va être tout sûr. Verset 25. Oui, c'est ça. 25 à partir du 25 à 26. Ouais. Tu dis au nom du Seigneur. Amen. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, et ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut en Antioche. Que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est bien de connaître aussi l'histoire, hein, mes chers amis.
Donc, tu vois, c'est à Antioche que les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. Ce qui veut dire, en fait, petit Christ. En gros, c'est ça. C'est que c'est, en fait, les païens, en regardant ces hommes, ils ont vu qu'ils se comportaient comme Christ. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on les a appelés petit Christ, et on va dire, finalement, c'est devenu chrétien, chrétien, le mot chrétien, 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 chrétien. Donc, les ministères sont là justement pour amener des hommes qui étaient des païens à devenir des petits Christ, de vrais disciples. Vous voyez? De vrais petits Christ, en fait. Donc, le ministère doctoral, par exemple, lui, il est là pour amener les chrétiens à comprendre des choses qui sont compliquées dans la Bible, à aller en profondeur. Lui, il est là pour décortiquer le docteur. Il est là pour décortiquer la parole de Dieu. Vous voyez? Voilà. Qui j'ai encore oublié? Le pasteur, lui, il est là comme un berger. Tu vois? Donc, il a un bâton et il a sa houlette. Donc, il est là pour protéger les brebis, pour veiller, quoi. Le pasteur est là pour veiller. Vous voyez? Donc, et tous les ministères ils ont leur importance, en fait. Ils ont un rôle, ils ont une importance. Donc, comment Dieu fonctionne? Si dans une assemblée, par exemple, il n'y a qu'un seul ministère, vous allez voir le seul ministère qui est là, Dieu peut l'utiliser à la fois comme apôtre, comme prophète, comme pasteur, comme docteur, pour remplir tous ses besoins, tous ses rôles, en fait, pour que les chrétiens puissent grandir. Est-ce que vous me suivez ce soir? Donc, c'est comme ça que vous allez voir dans certaines assemblées, tu peux voir, il y a un pasteur, mais le pasteur, il peut prophétiser, il peut aussi parler comme un apôtre, il peut aussi parler comme un... Il joue le rôle de pasteur, il joue le rôle d'évangéliste, ainsi de suite, en fait. Maintenant, on va prendre Romain, un autre texte dans Romain, pour compléter ce qu'on a lu. Avant de prendre Romain, on va prendre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 17. À partir du verset 17. Et après, on prendra Romain. Donc, tu peux nous lire toujours, Prince, s'il te plaît. Donc là, tout à l'heure, ce qu'on a vu, Éphésiens, on a vu 5 choses. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Ça fait 5. D'accord? Maintenant, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17, tu peux nous lire. Déjà la parole du Seigneur. Ouais, jusqu'à 19, ouais. Ouais, sur 2 Corinthiens 5, les versets 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la Qui réconciliation. nous a donné le ministère de la réconciliation. Tu vois? Continue. Car Dieu était en Christ, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes en imputant point aux hommes leurs offenses, leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Tu vois? Donc, la Bible dit que qui nous a réconciliés, en fait, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné en retour le ministère de la réconciliation. Et ça concerne tous les chrétiens, en fait. Tout à l'heure, ce qu'on a vu dans Éphésiens, on a dit, ce n'est pas tous les chrétiens qui peuvent jouer ce rôle. Tu vois? On n'est pas tous apôtres, on n'est pas tous prophètes, on n'est pas tous docteurs, on n'est pas tous évangélistes, ainsi de suite. Tu vois? Mais tous les chrétiens ont ce ministère qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Autrement dit, en fait, réconcilier les hommes avec Dieu, évangéliser, témoigner de l'amour de Dieu. Tu vois? Parce que si tu lis la suite, on a dit,
Christ est, en fait, Dieu est en Christ, réconcilia le monde avec lui-même en imputant pour les hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Si nous lisons même le verset 20, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, tu vois. Donc, c'est une forme d'évangélisation, en fait. C'est que tout chrétien est appelé à témoigner de Jésus pour que d'autres personnes aussi viennent à Jésus. Pour que les autres personnes aussi se réconcilient avec Dieu. Tu vois? Parce que tout celui qui n'est pas chrétien, la Bible dit qu'il est un ennemi de Dieu, en fait. Et Dieu veut que nous soyons réconciliés. La Bible dit dans Romains 5, en fait, que il faut, en fait, nous avons la paix avec Dieu en Jésus-Christ, tu vois. Et dans Hébreux 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous ». Mais dans le « tous », là aussi, il y a Dieu, premièrement, vous voyez. Donc, il faut premièrement chercher à avoir la paix avec Dieu avant de chercher à avoir la paix avec les hommes. Or, pour être en paix avec Dieu, il faut se réconcilier avec Dieu. Il faut que tes péchés soient pardonné, effacé, vous voyez? Parce que celui qui n'a pas Jésus, s'il meurt à cause de la colère de Dieu, il n'ira pas au ciel, vous voyez? Donc, là où tu es, prince, là où tu es, Dacia, voilà, même si, voilà, ça ne fait pas 10 ans, 20 ans, 15 ans, 4 ans, 2 ans, 1 an, tu vois, que vous vous êtes baptisé, tout ça, mais vous avez ce ministère aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Saint-Esprit avec vous, la parole de Dieu, la grâce de Dieu avec vous, vous avez cette responsabilité. Sachez que un ministère, c'est une responsabilité. Comme nous disons toujours, être chrétien, c'est une responsabilité. Et Prince, il ajoute toujours, c'est une grande, une lourde responsabilité. Avoir le Saint-Esprit, c'est une lourde responsabilité, mes chers amis. Avoir le Saint-Esprit en nous, c'est pour ça la Bible dit que Dieu chérit avec jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous voyez? Donc, ça c'est un point. Et c'est là qu'on voit les six ministères dont j'ai parlé. Tu vois? Mais il n'y a pas que les six ministères. Y a, parce qu'un ministère, je rappelle encore, c'est un service. Il n'y a pas que les six là. En fait, tu vois? C'est, là, les six là, c'est les six qui sont connus. Mais il y en a beaucoup d'autres dans l'Église. Prenons Romain. On va prendre Romain. On va voir quelque chose de très très bon. Seigneur Jésus, merci. Romain chapitre 12. On va lire à partir du verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 12, verset 3. Tu peux nous lire encore, Prince, s'il te plaît. Je lis la parole du Seigneur sur Romains chapitre 12, à partir du verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Mais de revêtir des sentiments modestes. De revêtir des sentiments modestes. Selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Selon la mesure de foi. En fait, ça veut dire simplement la mesure de grâce, de don, tu vois, de service aussi, que Dieu a donné à chacun. On continue. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents. Puisque nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité.
Que celui qui préside le fasse avec zèle. Ah, hein? Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. On peut même déjà s'arrêter là. En fait, tu vois, ici, il parle de la... Parce que souvent, quand Paul parlait, quand les apôtres parlaient souvent, ils mélangeaient tout, le ministère et les dons spirituels. Parce que, en fait, les dons spirituels, j'ai souvent dit, en fait, ça vient d'un mot grec qui s'appelle charisme. Vous voyez? Mais souvent, les apôtres, ils mélangeaient tout, et les dons, et les... Parce que tout ça, c'est des dons, de toute façon. Que ce soit les ministères, ou les dons spirituels, ou le diaconat, tout ça, c'est des dons. Mais vous allez voir les différences, ainsi de suite. Donc, Paul, il a tout mélangé ici. Il a parlé de la prophétie, il a parlé du ministère, il a parlé de celui qui enseigne, vous voyez? Autrement dit, du docteur. Il a parlé aussi de celui qui exhorte. Ça veut dire qu'il y a aussi ce que j'appellerais un service d'exhortation. Quelqu'un dans l'église peut exhorter. Il a cette grâce-là. C'est-à-dire que quand il exhorte, il édifie. Parce que le service dans l'église, c'est pour édifier, comme on a lu dans Éphésiens tout à l'heure, pour l'édification du corps de Christ. Vous voyez? Pour la croissance. Il y a des gens, en fait, ils ne sont peut-être pas reconnus. Ils n'ont peut-être pas de titre. Mais ils ont cette grâce-là d'exhortation. Je ne sais pas si tu comprends comment. Donc, c'est un service dans l'église, en fait. C'est un service. Donc, quelqu'un, comme tu es là, Prince, ou même Darcia, peu importe, ou même n'importe qui, en fait, il peut exhorter. On peut venir un jour comme ça, et puis quelqu'un dit, « Ah, évangéliste, voilà, j'ai une parole que le Seigneur m'a mis à cœur qui me touche. Est-ce que je peux prendre quelques minutes pour partager avec les frères et sœurs ?» Tu as le droit. Est-ce que vous me suivez ce soir? Mmh. C'est aussi un service, en fait. Parce que Dieu, par ta bouche, peut même m'édifier moi-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Mmh. C'est un service dans l'église. Vous voyez, il parle aussi de celui qui donne. Donc, on voit la libéralité. Tu vois? Il parle aussi de celui qui préside. Donc, il y a des gens qui savent bien diriger. Parce que présider, ça veut dire quoi? Diriger. C'est un don. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, par exemple, je suis évangéliste que automatiquement, c'est moi, je dois diriger une assemblée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si je n'ai pas le don, si je n'ai pas la capacité, chers amis, il faut laisser. C'est pour ça, par exemple, une église dans la Bible, c'est les anciens qui dirigent une église. Dans la Bible, la conduite d'une église. Quand une église naît, c'est toujours un ministère au travers d'un ministère, vous voyez? C'est les ministères qui viennent pour faire asseoir l'église, faire asseoir l'assemblée, faire asseoir la doctrine, tu vois? Mais quand l'église est assise, il faut laisser pour que l'église avance, évolue, être dirigée. Il faut établir des anciens, des hommes qui ont cette capacité-là de présider. Tu comprends, Prince? Parce que ce n'est nous, comme on a lu, on est un corps. Vous voyez, la dernière fois, j'ai parlé du corps militaire, corps politique, quel corps on connaît encore? Corps médical, étudiant, étudiantin, ainsi de suite. Donc, s'il y avait un seul étudiant, on n'allait pas parler du corps étudiantin. Vous voyez, s'il y avait qu'un seul médecin dans le monde, on ne va pas dire corps médical. Vous voyez? Donc, si on dit c'est un corps, c'est qu'il y a plusieurs composants ou composantes, il y a plusieurs membres. Et Paul insiste beaucoup, les membres sont complémentaires. On est complémentaires les uns des autres. On n'est pas indépendants. On ne peut pas vivre seul. Tu vois? On a besoin les uns des autres. J'ai besoin du don de l'autre pour que mon don aussi se développe. L'autre aussi a besoin de mon don pour que lui aussi son don se développe. Tu vois? Donc, et c'est ça en fait. Une église n'est pas dirigée par un ministère. Ce n'est pas des anciens. Et quand on dit des anciens, c'est un collège. Tu vois? Donc, c'est des gens qui ont cette grâce-là de présider. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il n'y a pas que les saints ministères-là qu'on a vu. Tu vois? Donc, il y a des gens qui sont dans l'ombre, ils ont aussi des services. Tu vois? Comme le diaconat, par exemple, c'est aussi un service dans l'église.
Mais le diaconat, ça maintenant, c'est l'Église qui vote et qui établit. Même les anciens, normalement, c'est l'Église qui vote, en fait. C'est l'Église qui se réunit, tu vois, et on présente des hommes ou des femmes qui ont un bon témoignage, qui sont irréprochables à l'Église, et l'Église rentre en prière, tu vois, et l'Église choisit les personnes. Donc, le Saint-Esprit va pousser l'Église à choisir les bonnes personnes. Tu vois, les anciens, ce n'est pas un nom qui vient, qui établit, qui pose ou dit, moi je te mets là, ancien, moi je te mets là. Non, ce n'est pas biblique. Est-ce que vous me suivez ce soir? Donc, par la grâce de Dieu, on parlera pour détailler encore toutes ces choses pour que chacun comprenne. Mais tout ça, c'est des services. Tu vois, c'est des dons. Mais on fait bien la part entre un don pour, voilà, on va dire, le fonctionnement de l'Église dans sa gestion, tu vois. Et aussi, on fait la différence entre les dons spirituels qui est aussi, qui aident en fait pour la croissance, mais on va dire spirituelle des chrétiens, tu vois. Donc, tous les dons, si vous remarquez bien, tous les dons, ils ont un même, en fait, finalement, on va dire, c'est un même rôle. C'est que la finalité, c'est que Jésus soit glorifié, que Jésus soit connu, vous voyez, et que les chrétiens vivent l'œuvre de la croix, vivent la résurrection de Jésus, vivent la puissance de Dieu, vivent, en fait, les manifestations du Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour répondre à la question, en gros, c'est ça. Donc, les six ministères. On a les cinq ministères de la parole, en plus du ministère de la réconciliation. Mais il n'y a pas que ces ministères qui existent dans la Bible. Il y en a plein d'autres, tu vois. On peut prendre un autre texte, on peut prendre Pierre. Pierre aussi va nous dire quelque chose. Bon, ça va prendre du temps, mais ce n'est pas grave. C'est important aussi d'expliquer toutes ces choses. Seigneur, merci pour ta grâce. Prenons 1 Pierre chapitre 4. À partir du verset 10. Tu peux le lire, Prince, s'il te plaît. À partir du verset 10. 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 10. Lisons la parole du Seigneur sur 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 10. Comme de bons dispensateurs, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ah, que chacun mette au service de qui? Des autres. Des autres le don qu'il a reçu. Vous voyez? Donc, chacun a un don, il faut connaître ton don. Et il faut que ton don là, tu le mettes au service des autres. Donc, il y a des dons, en fait, qui ne sont pas réservés pour toi seul, mais qui est réservé pour les autres. Nous allons voir toutes ces choses. Il y a des dons, en fait, c'est réservé vraiment pour toi seul. Mais on va bien parler de tout ça. Mais la Bible nous dit, en fait, que les dons qu'il faut rechercher sur toi, posséder, avoir, c'est le don qui est réservé aux autres. Donc, qui édifie les autres? Qui apporte quelque chose aux autres. Tu comprends? Je continue, s'il te plaît. Verset 11. Si quelqu'un parle. Que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qui le remplit selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Amen. Oui, continuez. À qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci. Donc, vous voyez, en fait, chacun doit mettre au service des autres les dons qu'il a reçus. Et si quelqu'un parle, la Bible dit que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. C'est-à-dire que lorsque j'exerce un don, je suis en train d'annoncer les oracles de Dieu. On avait parlé la dernière fois, on a dit que l'Esprit sonde tout, si on se rappelle très bien. Et on avait dit que l'Esprit sonde tout,
Ça veut dire que l'esprit sonde et les époques, les temps, les circonstances, la nature, les esprits, ils sont de l'âme, ils sont de les cœurs, ils sont de les pensées, les projets, ils sont de tout. L'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. On avait dit que c'est une raison pour laquelle il ne faut jamais rien cacher dans son cœur. Avec Dieu, on ne peut pas avoir de secret. C'est-à-dire que les choses qu'on cache dans le cœur, on pense que les autres ne savent pas, mais Dieu sait. Vous voyez? Donc, il faut tout avouer à Dieu. Il faut se répandre devant Dieu. Il ne faut pas avoir de secret avec Dieu. Il faut tout dire avec le Seigneur. Il faut tout confesser. Il faut avouer. Vous voyez? Pour avoir la vie. Et tant qu'on n'a pas ouvert son cœur à Dieu, en fait, les dons, on ne pourra pas bien expérimenter les dons du Saint-Esprit. Maintenant, on va évoluer. On avait dit, en fait, que on avait lu dans 1 Corinthiens chapitre 2 que nous avons reçu la pensée de Jésus. Et j'avais dit que la pensée de Christ, selon Éphésiens chapitre 1, je ne sais pas si on avait lu Éphésiens chapitre 1 ou pas, mais je crois que vous connaissez ce texte, Éphésiens chapitre 1, qui dit, en fait, Paul va dire, je prie que Dieu, prenons Éphésiens chapitre 1, allez, on va lire. Donc, là, je profite en même temps pour continuer le message. C'est clair, hein, Prince? Mm-hmm. Ok. Merci beaucoup pour ta question. Éphésiens chapitre 1, verset 15 nous dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, tu vois? Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Tu vois? Donc, Paul est en train de dire que pour connaître la richesse qui est en Jésus, vous voyez, la richesse de la connaissance, la richesse de la gloire, la richesse de la pensée, la richesse de l'intelligence, la richesse de la sainteté, de la sagesse qui est en Dieu, il faut que Dieu ouvre notre intelligence, ce qu'on appelle en fait les yeux du cœur, tu vois? Que Dieu ouvre l'esprit de l'homme. Que Dieu, en fait, illumine les yeux de nos cœurs. Que Dieu répande sur nous un esprit de révélation, un esprit de sagesse. Alléluia. Amen. Et on avait dit que, voilà, quand on parle de l'esprit de sagesse, en fait, là, ce n'est pas la sagesse du monde, mais c'est la sagesse qui vient de Dieu. Or, l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Mais remarquez avec moi ici, Paul est en train de dire que pour que les Éphésiens puissent connaître en fait cette richesse, regardez le verset 19, il dit, déjà le verset 18, il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19, et quel est envers nous qui croyons. Ça, c'est fort, ce texte que nous sommes en train de dire. Si vous comprenez la portée, vous allez voir le reste. Pour introduire les dons spirituels, ça va être encore plus facile. Il dit, et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, tu vois? Donc, il y a une puissance qui est en Jésus, une puissance qui est descendue le jour de la Pentecôte. Depuis que le Saint-Esprit est descendu, il y a une puissance qui se dégage lorsqu'on reçoit Jésus et qu'on croit en sa mort et en sa résurrection. Il y a une puissance qui se manifeste par le Saint-Esprit. Vous voyez? Il y a une puissance, il y a une sagesse, il y a une intelligence que Paul est en train de dire. Il y a une richesse de sagesse. Vous voyez? Il y a une richesse de connaissance qu'on peut accéder, en fait. Il y a une richesse d'opportunité. Vous voyez? Qui sont en Jésus, que tu peux avoir, que tu peux accéder. Vous voyez? Et c'est grâce à l'esprit qui sonde tout,
Parce qu'on avait dit que l'esprit sonde et les profondeurs de Dieu, mais l'esprit sonde aussi la nature. L'esprit sonde aussi les autres esprits. L'esprit sonde même le cœur des hommes. Alléluia. Amen. Dieu a dit qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. On est d'accord? Seigneur, merci pour ton onction. Ouais. Waouh, on ne sait pas la grâce de Dieu. Donc, je vais attendre qu'on se connecte. Ok. Donc, il y a en Jésus, regardons ce texte. On va prendre, Seigneur, merci. Prenons Colossiens. Comme on est dans Éphésiens, prenons d'abord Éphésiens 3. Bon, avant d'aller dans Éphésiens 3, on va lire. Lisons jusqu'au verset 20. Lisons toujours Éphésiens 1 là. On va continuer et après on va prendre Éphésiens 3. Il a dit, verset 19, et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de quoi? De sa force. Verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les dominations, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Donc, Jésus, il a expérimenté une gloire dans sa tombe. Il a expérimenté une puissance dans sa tombe, c'est-à-dire la puissance qui avait ressuscité Jésus-Christ, un corps qui était mort depuis 3 jours dans le tombeau, qui était censé pourrir, où il devrait y avoir des vers de terre. La puissance qui est venue, qui va le ressusciter, cette puissance-là, l'apôtre Paul est en train de dire que Dieu a mis cette puissance à ta disposition et à ma disposition, vous voyez? Amen. Mais aussi longtemps que l'héritier est un enfant, c'est-à-dire un ignorant, il ne peut pas accéder à ces choses, vous comprenez? Donc il faut que son esprit s'ouvre, donc il faut que Dieu ouvre son esprit, qu'il se connecte à l'esprit de l'esprit qui sonde tout, qu'il se connecte à l'esprit de révélation, à l'esprit d'illumination divine, à l'esprit de sagesse, ce qu'on appelle l'esprit de sagesse, à l'esprit de Dieu, à l'esprit, finalement, à l'esprit prophétique, en fait. Quand on dit l'esprit prophétique, il ne faut pas voir tout de suite les prophètes. L'esprit prophétique, ce n'est pas seulement les prophètes. C'est l'esprit de Dieu qu'on appelle l'esprit prophétique. C'est comme quand on dit l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui fait toutes ces choses. Est-ce que vous me suivez ce soir? Donc, c'est... J'insiste parce que nous sommes un peuple prophétique. En tant qu'église, nous sommes un peuple prophétique. C'est grâce à des prophéties que l'église est née. Dieu avait prophétisé, il avait parlé par la bouche des hommes. La Bible dit dans Hébreux 1 que après avoir parlé aux hommes de plusieurs manières et de plusieurs façons, Dieu a parlé aux hommes par la bouche des prophètes. Vous voyez, il y a eu des prophètes qui ont annoncé que l'église allait naître. Donc, nous sommes un peuple prophétique. Nous sommes nés grâce à des prophéties. Et c'est une prophétie aussi qui nous soutient. La meilleure prophétie, la prophétie par excellence, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ce que les hommes disent, mais c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez ce soir? C'est l'évangile. Vous comprenez? Et l'église est un peuple prophétique. Nous avons une destinée prophétique. Jésus reviendra pour chercher son église. C'est une prophétie. Et nous croyons à cette prophétie. L'apôtre Pierre va dire que vous faites bien de prêter attention à cette prophétie. En fait, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Vous voyez ça? Donc, faut pas que les gens nous manipulent pour faire que c'est... Donc, tu as un esprit prophétique en toi. J'ai un esprit prophétique en moi. Tu es un peuple prophétique. Tu es un homme prophétique. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu dois aimer la prophétie. Tu dois aimer l'esprit de révélation. Et vous allez bien comprendre. Donc,
il y a une puissance, j'insiste beaucoup, il y a une puissance, il y a une sagesse, il y a une intelligence, une richesse de ces choses. Regardez Éphésiens 3 avec moi. Éphésiens 3, le verset 6 à 13. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 6. La Bible dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, alléluia, et participent à la même promesse en quoi? En Jésus-Christ, par l'évangile, alléluia, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Le verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, à moi qui suis le minable, le plus petit, il dit, cette grâce a été, comment? Accordé d'annoncer aux païens les richesses. J'insiste beaucoup. En fait, en Jésus, il y a une richesse de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Tu peux connaître tellement de choses. Vous connaissez l'histoire de ce prophète Élisée qui était dans sa chambre. Ce que le roi de Syrie disait dans sa chambre, il connaissait. Alléluia. C'est-à-dire, il y a une richesse. Il y a tellement de choses qu'on peut accéder. Vous voyez, tu peux connaître des choses, mon frère, ma soeur. C'est vrai que nul ne connaît le jour de sa mort. Mais si tu es dans l'intimité de Dieu, Dieu, dans son amour, peut te révéler même quand est-ce que tu vas partir. Vous voyez, Pierre savait à quel moment il allait mourir. Jésus lui va lui annoncer que quand tu étais jeune, toi-même, tu pouvais te ceindre, tu vois. Mais quand tu vas vieillir, c'est un autre qui va te ceindre. C'est un autre qui va te mettre la ceinture. Donc, Pierre savait comment il allait mourir. C'est la prophétie que Jésus lui a donnée. C'est la grâce de Dieu, vous voyez? Donc, en fait, l'esprit prophétique est dangereux. Il est tellement grand, glorieux. Il est tellement puissant. J'insiste, il y a une richesse dedans. Parce qu'à partir du moment où il sent le tout, il peut tout. Il connaît tout. Il accède à tout. Et il fait tout. Rien ne lui est impossible. Même là où tout est impossible, lui, il rend cela possible. Alléluia. Là où il n'y a pas la vie, lui, il peut amener la vie. Là où il y avait la mort, lui, il peut enlever la mort. Il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent point. Alléluia. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il l'ordonne et toutes les créatures dans les cieux et sur la terre, et les esprits et les anges, les dominations, les puissances, les principautés, les murs, les fenêtres, le vent et l'air, l'eau, tout obéit, tout se soumet à sa parole. Il a créé l'univers par la prophétie. Il a créé le monde par la prophétie. Et il soutient le monde par sa parole. Il soutient. Alléluia. Donc, c'est très important, vraiment, de bien comprendre les richesses. En Jésus, nous avons accès à une richesse. Tu vois, le parler en langue, c'est une richesse. Vous allez bien comprendre, en fait. Je vais démystifier les choses pour que chacun de nous comprenne. Alléluia. Donc, regardons, continuons. On dit, les richesses incompréhensibles de Christ et d'être merci et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que quoi? Les dominations et les autorités et les principautés, et je vais ajouter, et les puissances et les esprits de famille, et les hommes qui ne connaissent pas Jésus, et les sorciers de nos familles, et les satanistes, les magiciens, et ceux qui aiment sortir la nuit, qui connaissent à travers l'église, donc à travers toi. À travers toi, à travers ta vie, que le monde sache la sagesse infiniment varié de Dieu. Alléluia. Au travers de toi, peut-être les gens te regardent. On dit que ce n'est qu'une fille, ce n'est qu'une jeune fille, ce n'est qu'une femme, ce n'est qu'un petit garçon. Mais il y a quelque chose en toi que tu peux manifester, que
que les petites jeunes filles ne peuvent pas manifester, que les petits garçons ne peuvent pas manifester. Étienne n'était qu'un diacre, mais quand il a été rempli par l'esprit qui sont de toutes choses, devant les sages de Jérusalem, lorsque Étienne s'est mis à parler, les sages ne pouvaient pas résister devant la richesse de la sagesse, de la connaissance, de l'intelligence que manifestait Étienne. Les gens vont dire à Pierre, ce sont ces hommes-là, nous savons qu'ils sont des pécheurs, mais ils disent des choses que les pécheurs ne peuvent pas dire. Ils n'ont pas peut-être étudié, ils n'ont peut-être pas fait les grandes écoles d'ingénieurs, ils n'ont peut-être pas fait les écoles politiques, mais ils ont une connaissance, une richesse, une intelligence, une sagesse, une autorité. Ils ne parlent pas pour parler, mais ils manifestent une profondeur de sagesse, d'intelligence que le monde ne peut pas résister, devant laquelle les sorciers ne peuvent pas résister. Jésus dans le temple, il ne faisait que parler, mais la Bible dit qu'il y avait un homme qui était habité par un démon. Le démon ne pouvait pas supporter la puissance. Amen, amen. La puissance, la sagesse que dégageait notre Seigneur. La Bible dit que le démon lui a commencé par crier, Jésus, fils de David, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que Jésus est en train de manifester. Il est en train de faire connaître aux dominations et aux principautés la sagesse avec laquelle il est descendu. Amen. La puissance avec laquelle il est descendu. Amen. Oh my God. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu. Tu vois, amen. Parce que ton l'esprit de Dieu en toi sont de tout. Toi aussi tu peux accéder à ces richesses incompréhensibles. Cette grande puissance par le Saint-Esprit est réservée pour toi. Alléluia. Regardez avec moi Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Chakarabasa. Colossiens 2, le verset 1 à 3. Colossiens 2, le verset 1 à 3. Chakarababose. Colossiens 2, verset 1 à 3. Chanabababa. La Bible dit je veux. Dis je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage à la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine. Dis pleine intelligence. Pleine intelligence. D'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors, toutes les richesses de la sagesse et de la science. Alléluia. Et il dit verset 4, je dis cela afin que personne ne vous trompe, ne vous séduise par des discours séduisants. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Donc tu vois mon frère, en Jésus, il y a une richesse de sagesse, de connaissance, tu vois, de puissance que tu peux expérimenter. Et le Saint-Esprit est venu pour que tu l'expérimentes. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit de vérité ne viendra pas. Mais s'il vient, tu vois, il me glorifiera. Tu vois, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai quelqu'un, un consolateur. Et le Saint-Esprit est venu pour être avec nous, pour rester avec nous, pour nous faire vivre ces choses. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Jésus, merci. Regardez avec moi. Colossiens 1, verset 9. La Bible dit ceci. Oh my God. Colossiens 1, verset 9. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, il y a ce que la Bible appelle l'intelligence spirituelle, il y a ce que la Bible appelle la sagesse spirituelle. Vous me suivez ce soir. C'est très important de bien comprendre ces choses. Il y a une intelligence qui ne vient pas par les études, qui ne vient pas par l'âge.
Vous voyez, c'est pour ça que la Bible dit dans Job, en réalité, ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse, qui donne l'intelligence, c'est l'esprit, en fait. C'est-à-dire que si ton esprit est régénéré, si ton esprit, plus ton esprit est connecté à Dieu, plus ton esprit est connecté au Seigneur, et il y a un mystère qui se produit. On va prendre, my God, prenons 1 Corinthiens, chapitre 6. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, merci. 1 Corinthiens chapitre 6. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 6, verset 17. Même verset 16, on dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache, s'attache. Celui qui s'attache. Celui qui s'attache à la prostituée. Donc, le mot attaché, là, ça veut dire coller. Vous voyez, celui qui se colle à la prostituée, qui s'unit à la prostituée, vous voyez, donc, devient, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car, est-il dit, les deux deviendront quoi? Une seule chair. Le celui qui s'attache au Seigneur est quoi? Est avec lui un seul esprit. Vous voyez, c'est-à-dire que, tant que plus je m'attache à Jésus, c'est que les frontières qui pouvaient y avoir entre moi et entre mon esprit et le Saint-Esprit disparaissent. Je ne sais pas si vous me suivez ce soir. C'est que il faut que je comprenne, plus j'ai la connaissance, plus je me dispose, plus j'ouvre mon cœur, en fait. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas chercher à garder des choses. Il ne faut pas croire que je suis malin, ou je suis maligne, ou je suis fort, je suis tuné, on n'est rien. Vous me comprenez ce soir? Il faut marcher dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. Il faut ouvrir son cœur au Seigneur. Et quand on ouvre son cœur au Seigneur, la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur, il devient avec lui un seul esprit. Donc, en s'attachant à la prostituée, c'est dans la chair. Vous voyez? Donc, la prostituée, il y aura un lien qui va être créé. Tu vois, mais quand on s'attache au Seigneur, on devient avec Dieu un seul esprit. C'est-à-dire que les frontières qu'il pouvait y avoir, j'insiste, je répète, parce que vous devez savoir, en fait, entre notre esprit et l'esprit de Dieu, il y a des frontières. Le Seigneur dit dans Ésaïe que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Il dit que de la même manière que le ciel est au-dessus de la terre, ainsi sont mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous voyez? Donc, il y a... Ouais, c'est pour me dire qu'il est 20h30. Est-ce que vous m'autorisez de prendre 10 minutes encore? Oui. Ok. Continuons. Ok, je continue. Donc, le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Vous voyez? Donc, il y a une grande frontière entre les choses de l'Esprit de Dieu et notre esprit. Vous voyez, il y a une grande fossé, il y a une frontière en fait. Mais quand on s'attache au Seigneur, quand on accepte Jésus, quand on accepte l'œuvre de la croix, quand on accepte de marcher avec Jésus, d'ouvrir son cœur à Dieu, alors Dieu vient maintenant, il plonge notre esprit dans son esprit, vous voyez, et on devient un avec le Saint-Esprit en fait. On devient unis. Donc, il a dit, je suis celui qui sonde comment les et les reins. Quand on dit les reins, vous voyez, ça donne, vous connaissez là où se trouvent les reins. Vous voyez, donc quand il dit qu'il devient un seul esprit, c'est qu'au niveau des reins, au niveau du cœur, vous devenez un. Vous savez, dans les reins de l'homme, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. De la même manière qu'il y a ce qu'on appelle, il y a les reins physiques, mais il y a aussi des reins spirituels, en fait, qui, c'est comme la base de la vie. Vous voyez, l'esprit se cache là, en fait. La vie, la force de l'homme est là, tu vois. La force, c'est là. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a les reins, il y a le cœur. Vous voyez, c'est pour ça que quand tu deviens un avec lui, c'est qu'au niveau de tes reins, vous êtes un. Il n'y a pas de secret. Vous voyez? Et au niveau du cœur, vous êtes un, il n'y a pas de secret, tu vois? Donc, c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir au Saint-Esprit, tu vois? Et il y a
beaucoup de choses que le Saint-Esprit amène. En fait, quand on est uni au Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit apporte dans la vie du chrétien. En fait, le Saint-Esprit vient, la repentance, l'intimité avec Dieu va briser les frontières, en fait, qui nous empêchaient d'accéder à ces richesses, d'accéder à cette grande puissance. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez, prenons 1 Corinthiens. Seigneur, merci. On va prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Prenons 1 Corinthiens 14. Prenons d'abord Ésaïe 11 plutôt. Saint-Esprit, merci. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Chakarabasa. Ésaïe 11. Seigneur, merci. L'Esprit. Ésaïe chapitre 11. On va lire le verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 11. Le verset 1 à 2. On est en train de parler de l'Esprit qui sent le tout. L'Esprit qui sent le tout. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc, dit Zaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de intelligence, esprit de conseil et de force, my God, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est très important, vous voyez, comment en fait, parce que c'est très important. Jésus, la Bible, on a lu la dernière fois que il n'avait pas besoin qu'on lui dise ce qui était caché dans l'homme, parce qu'il pouvait sonder lui-même, il peut lire lui-même, vous voyez. La Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui sonde. C'est-à-dire que là où je suis, si je suis rempli du Saint-Esprit et que je suis devenu attaché à l'Esprit de Dieu, si je suis en face d'un homme, si cet homme veut me faire du mal, je peux le savoir. Je peux sonder son cœur. Je peux lire son cœur. Je peux connaître. Vous voyez, Dieu peut me donner une petite vision, en fait, parce que quand on dit les songes, les rêves, les visions, c'est pas la même chose. La vision, ça peut être même un petit flash, tu vois. Tu as un petit sommeil qui vient sur toi, paf, tu as vu quelque chose. Tu peux même là debout, les yeux ouverts, tu vois un éclair, tu vois quelque chose, tu vois. Ça peut être aussi au niveau des pensées, et nous allons bien approfondir toutes ces choses. Vous allez bien comprendre. Donc, on dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. En fait, le rejeton ici, c'était qui? C'est Jésus. Vous voyez? C'est pour ça que le ministère de Jésus était époustouflant, était extraordinaire. Parce qu'il avait l'Esprit de l'Éternel sur lui et il avait l'Esprit de sagesse et d'intelligence en lui. Vous voyez? L'Esprit de sagesse et d'intelligence, ça veut dire que c'est un esprit qui lui donne la compréhension et la connaissance. Vous voyez, c'est un esprit qui donne la compréhension des choses, la connaissance des choses. J'insiste en fait. Celui qui a les dons, qui comprend les choses que je suis en train de dire, tu vas avoir une intelligence. En fait, quand tu vas te mettre à parler, les gens ne comprendront pas. Non, les gens ne pourront pas résister. Jésus avait l'esprit de sagesse et d'intelligence en lui. Il avait l'esprit qu'on appelle esprit de conseil. Esprit de conseil, vous voyez, beaucoup de chrétiens, en fait, devant certaines situations, en fait, ils sont emportés, ils n'ont pas cette force-là de pouvoir prendre position, tu vois, ils sont ballottés, ils sont, comme on dit, chaud, ni froid, ils ne savent pas quoi, tu vois, parce que justement, cet esprit de conseil, c'est un esprit, en fait, qui donne la force de pouvoir décider des choses.
tu vois, de prendre position, en fait. Jésus, devant les Juifs, il ne pouvait pas se laisser entraîner par leurs histoires. Jésus, c'était non. La Bible dit qu'il y avait un jour, il était venu dans le temple, il y avait des gens qui étaient en train de vendre dans le temple. Si les pharisiens les ont laissés, Jésus a dit non, ne faites pas de la maison de mon père une maison de voleurs, vous voyez, de vendeurs, de pigeons. La Bible dit qu'il a fait un fouet, il a commencé par fouetter tout ce qui était dans le temple. Et je me dis, de quel droit tu as fait ces choses? Non, je n'ai pas besoin de recevoir un pouvoir qui vient de vous. Mon pouvoir vient de Dieu. Tu vois, mon pouvoir vient de Dieu. Il avait cet esprit de conseil en lui. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être corrompu. En fait, le Saint-Esprit fait de beaucoup de choses en nous. Il faut bien les comprendre. Et ça va aussi aider à prier efficacement, en fait. On dit esprit, parce que vous voyez, on dit sagesse et intelligence. On dit que les deux marchent ensemble. Conseil et force. Tu vois, il te permet d'avoir une vision claire des choses, des événements. Et il te donne en même temps, il y a une force qui accompagne, qui te permet de pouvoir prendre position, de pouvoir prendre des décisions. Tu vois, de pouvoir dire non au péché, en fait, de pouvoir résister à la tentation. On voit par exemple Joseph, en fait, devant la femme de Potiphar, malgré que cette femme s'était dénudée, elle a même tiré le vêtement de Joseph. Mais la Bible me dit, Joseph a eu la force de courir, de sortir. Dis-moi, c'est pas tous les hommes qui font ça. Il faut dire la vérité. Mais oui, en plus c'est la femme du chef. Il aura tous les pouvoirs encore plus, malgré qu'il avait déjà tous les pouvoirs. Mais Joseph a dit non. Pécherai-je contre Dieu? On voit Daniel à Babylone. On lui a proposé de manger les mets du roi, les viandes sacrifiées aux idoles. Daniel a dit non. Vous comprenez? Mais les autres Juifs qui étaient passés avant lui, ils ont mangé. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Mais vous connaissez qui était Daniel? Vous connaissez qui était Joseph? Comment l'esprit de sagesse et d'intelligence a marché avec ces hommes? Comment Dieu, le ministère, la grâce prophétique a travaillé avec eux? Vous connaissez quelle sagesse et intelligence, quelle puissance? La Bible dira que Daniel avait un esprit supérieur. Son esprit était 10 fois supérieur à l'esprit des sages qui étaient à Babylone, à l'esprit des sorciers, des satrapes, des magiciens qui étaient auprès du roi de Babylone. Je veux prophétiser sur toi ce soir au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Je dis que dans les temps qui vont arriver, et ça commence ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu t'accorde un esprit supérieur, que ton esprit devienne 10 fois supérieur à l'esprit de tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu t'amène dans les chambres cachées de Dieu lui-même, là où il y a les secrets de Dieu, que le Saint-Esprit s'unisse à ton esprit, que le Saint-Esprit s'attache. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Amen. Oh Seigneur, merci. Esprit de sagesse, de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous voyez, c'est très important. Prenons maintenant 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Je regarde là-bas, il n'a pas assez en retard. 1 Corinthiens 14. Ah oui. Allez, 1 Corinthiens 14. On va lire. Seigneur, merci. Déjà, vous connaissez les 9 dons spirituels, ok? Mais on va les lire quand même. Prenons 1 Corinthiens d'abord 12, verset 4 à 11. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. On va terminer par 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. Et lui dit ceci. Il est vrai que les dons de la grâce sont fort divers. Ils procèdent cependant tous du même esprit. Les services dans l'église sont différents. Donc, mais c'est un seul et même Seigneur que nous servons. Vous voyez, quand on parle des services, on veut parler des ministères. Comme j'avais dit tout à l'heure. Donc là, je suis en train de lire la version Alfred Coin.
Mais la version Louis II, voilà, ça dit ceci que, voilà, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun, la manifestation de l'esprit. Vous voyez? Or à chacun, la manifestation de l'esprit. En chacun de nous, l'esprit se manifeste d'une façon particulière. Mais les dons qu'il nous accorde nous sont tous toujours conférés en vue du bien commun. C'est pour être utile aux autres que l'esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse qui lui permet de prodiguer des conseils précieux pour la vie quotidienne. À l'autre, l'esprit confie un message qui enrichit les connaissances et expose avec clarté le plan de Dieu. Un autre reçoit du même esprit une foi qui peut opérer des prodiges. À un autre, ce même esprit accorde des dons pour guérir les malades. Un autre encore a le pouvoir de faire des miracles. Un tel a reçu le don d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. Tel autre sait distinguer ce qui vient de l'esprit divin de ce qui émane des mauvais esprits. Ici, quelqu'un parle et loue Dieu dans des langues inconnues. Là, un autre interprète ces langues et traduit ce que dit le premier en paroles intelligibles. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue à chacun son don comme il l'entend. Sautons, on prend 1 Corinthiens 14. Seigneur, merci. 1 Corinthiens 14 nous dit ceci. Recherchez la charité. Aspirez aux dons spirituels. Et là, je veux beaucoup insister pour ôter un voile, sincèrement, pour que les chrétiens comprennent bien. Si vous avez bien compris l'importance vraiment des dons, vous voyez, parce qu'il y a des choses qui sont réservées et Dieu veut qu'on expérimente en tant que chrétien. La Bible dit aspirer. Ça veut dire qu'il y a une démarche à faire. Vous voyez, il y a une démarche à faire. Est-ce que vous me suivez ce soir? Aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Vous voyez? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Vous voyez? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Tu vois? Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Vous voyez? Donc, pourquoi j'ai voulu qu'on lise jusque-là d'abord? On va rester toujours dans 1 Corinthiens 14. Il va dire, de quelle utilité vous serais-je si je venais et si je ne vous parle pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? En fait, ce que je veux expliquer, c'est que les 9 dons dont on parle ici, en réalité, c'est des manifestations du Saint-Esprit. Mais chaque manifestation, en fait, est un message de Dieu. Est une parole, une pensée de Dieu. Souvenez-vous, on a dit que nous avons reçu la pensée de Christ. Alléluia. Amen. Et quand on dit la pensée de Christ, on veut dire, en fait, le message de Christ. La révélation de Christ. Vous voyez? L'illumination qui vient de Christ. Donc, même le don de parler en langue, c'est un message que Dieu est en train de donner. Donc, celui qui parle en langue, il va parler des langues inconnues que même lui-même il ne connaît peut-être pas, tu vois. Ça peut être des langues des anges ou des langues humaines. Un Congolais peut parler l'anglais. Quand il se met à parler en langue, quand l'ancien descend sur lui, il se met à parler en anglais. Vous voyez? Ce n'est pas sa langue maternelle. Vous voyez? Maintenant, la Bible dit que celui qui parle en langue, s'il n'arrive pas à interpréter, alors c'est lui seul qui est édifié. Ça ne profite qu'à lui seul. Donc le message là ne concerne que lui seul. Vous voyez? Il parle à Dieu et il se parle à lui-même. Est-ce que vous suivez ce soir? Donc, ça peut être, j'ai donné un exemple la dernière fois, quelqu'un peut être en train de parler en langue, mais en réalité, il est en train de livrer un combat spirituel. Vous voyez? Il est en train d'adorer. Par exemple, Paul va dire, je prierai en langue, j'adorerai en langue, tu vois, je chanterai en langue, on peut chanter même en langue, tu vois. Donc, on adore Dieu avec des langues que les gens ne connaissent pas,
Mais ce que je suis en train de dire, c'est mon esprit seul qui est édifié. Vous voyez? Donc, la Bible dit de désirer, d'aspirer aux dons spirituels, en particulier le don de prophétie. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a les 9 dons, on peut les classer en fait en 3 catégories. Les 9 dons qui sont ici. Il y a ce qu'on appelle les dons, en fait, qu'est-ce que j'ai noté? Les dons d'inspiration, les dons de révélation et les dons de puissance. Vous voyez? Les dons d'inspiration, c'est la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues. C'est 3 dons d'inspiration. Vous voyez? Les dons d'inspiration. Parce que G.S. Paul va dire que de quelle utilité je serai à vous si je venais à vous et que je ne vous parle pas par inspiration ou par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine, ainsi de suite, tu vois. Ça veut dire que les 9 dons là, tu vois, il y en a qui sont des dons d'inspiration, il y en a d'autres des dons de révélation, il y en a qui sont des dons de puissance. Si vous vous rappelez, dans Éphésiens 1, on a vu tout à l'heure, Paul va prier pour les Éphésiens pour que Dieu leur donne l'esprit de sagesse et d'intelligence, de révélation, d'illumination, pour qu'ils connaissent la sagesse de Dieu ou l'intelligence finalement de Dieu également, vous voyez, et aussi la puissance. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, il y a la révélation, il y a aussi l'inspiration donc, et la puissance. Donc, les 3 dons d'inspiration, il y a le don de prophétie, de la diversité des langues et d'interprétation des langues. Pourquoi je dis ça? La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez, aucune prophétie n'a jamais été en fait l'objet de la pensée de l'homme. Vous voyez? Et on ne parle pas en langue parce qu'on veut parler en langue. Je ne veux pas dire, ah, c'est pas ça. Est-ce que vous me suivez ce soir? C'est une inspiration qui vient. Et on va expliquer tout ça. Vous allez bien comprendre aussi. Pour bien reconnaître vous-même. Et après, on parlera de l'amour, comme j'ai dit. Et après, on va prendre un temps. Je l'ai prié. Et je sais que le Seigneur va donner par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Regardez. Après les dons d'inspiration, il y a les dons de révélation. Il y en a aussi 3. Il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Vous voyez? Le don de parole de sagesse ou de parole de connaissance ou de discernement des esprits, c'est des dons de révélation. C'est-à-dire que, vous voyez, la femme samaritaine au puits de Jacob, elle avait 7 maris ou 5 maris, je ne me rappelle plus exactement, mais elle avait beaucoup de maris. Avant, vous voyez, et Jésus qui était juif n'était pas censé connaître le nombre de maris qu'elle avait, mais Jésus va lui dire, tu as raison parce que tu as eu 5 maris, tu vois, et celui avec qui, le monsieur avec qui tu vis aujourd'hui n'est pas ton mari. Donc Jésus a eu accès à une connaissance en fait qu'il n'était pas censé savoir en tant qu'humain. Et l'esprit prophétique, c'est un esprit qui n'est pas dans le temps, mais qui est au-dessus du temps. Mais qui travaille dans le temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Il n'est pas limité par le temps. Donc, il n'est pas dans le temps. Parce que s'il était dans le temps, il serait limité par le temps. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas limité dans le temps. Il est au-dessus du temps, mais il travaille dans le temps. Notre Dieu est un Dieu de temps. Qui travaille, qui accomplit ses promesses au temps qu'il a prévu. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que c'est un Dieu qui travaille dans le temps. Donc, en fait, l'esprit prophétique, quand il est avec toi, il peut te révéler des choses du passé, du présent et du futur. Donc, quand il révèle des choses du passé, tu vois, c'est là qu'on parle de parole de connaissance. J'ai une connaissance, tu vois, c'est la révélation en fait. Parce que souvent, tu peux être là. Tu es là tout seul chez toi, mais il y a comme une pensée, parce que j'insiste beaucoup, on a dit, nous avons la pensée de Christ. Donc, quand tu deviens un avec le Saint-Esprit, il n'y a plus de frontière entre toi et le Saint-Esprit. Donc, les pensées qui t'animent
Souvent, ce n'est pas tes pensées, c'est les pensées de l'esprit. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est les pensées de l'esprit. Tu peux être là et il y a une pensée qui est en train de monter en toi. À 15 heures, telle personne va venir te rendre visite. Bon. Tu as fait comme ça, tu n'as pas fait trop attention à ça. Mais à 15 heures seulement, le matin, c'était le matin vers 10 heures. À 15 heures seulement, tu entends, quelqu'un sonne à la porte. Tu vas ouvrir. Toi, mais tu as même oublié que tu avais eu cette pensée-là. Mais quelques jours après, tu te rappelles, ah, j'avais eu cette pensée-là. Tu n'as pas fait attention. Tu vois? Mmh. Ou bien, tu es là seulement. En fait, le don de parole de connaissance, pour se manifester, comme c'est des dons prophétiques, pour se manifester, ça peut être des pensées, tu vois, ou même tu entends des voix clairement comme ça, une voix dans ton cœur qui te dit, par exemple, tu peux dire, voilà, comme le dimanche, par exemple, je disais qu'il y a quelqu'un ici à qui le Seigneur donne la victoire. Vous voyez, tu peux entendre cette parole dans ton cœur, victoire, 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 tu vois, et le Saint-Esprit maintenant va te donner la parole. On a débordé. Allez, bon, on va couper. Le reste, on va continuer. De toute façon, on va prier pour ces choses. Je crois qu'on va couper. Il est pratiquement 21h.